Jérôme, Jérôme, ouvre, c'est moi. Ah, t'es là, tant mieux. Bah oui, mais enfin, ça n'a rien de vraiment étonnant. Hein. Je suis chez moi, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Jérôme, c'est super important. Il faut absolument que je téléphone à Déby. Ah bon? T'as pas trouvé de téléphone un peu plus accessible? Écoute, Jérôme, chez moi, c'était pas possible. Mon frère écoute tout et en plus, il va rapporter à ma mère. Et puis, je trouve que dans une cabine, c'est pas assez intime. Écoute, je suis ravi de savoir que chez moi, ça te convient. Marc, c'est pas l'idéal. Mais bon, si tu sors, je pense que ça devrait aller. Parce qu'en plus, faut que j'aille dehors. Écoute, Jérôme, je te signale que si c'était un simple coup de fil, je n'aurais pas monté 6 étages à pied. Hein? C'est un coup de fil vital, tu comprends? Ah oui, 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 tout à fait. Il faut que tu annonces à Déby que tu préfères Kim Basinger. Mais non, il faut tout simplement que je lui raconte le rêve que j'ai fait cette nuit. Ah. Oui, elle était tellement belle en princesse, sur une plage de galets. Avec moi, sur un grand cheval blanc. Et en plus, il y avait Kim Basinger en sirène. Ah oui, mais de Kim, je n'en parlerai peut-être pas à Déby. Bon, enfin, tu comprends aisément que c'est pas le genre de récit qu'on peut faire de n'importe où. Alors je peux? Ouais, allez, bonne chance. Hé, hey, Jérôme, attends, qu'est-ce qui se passe? Y a pas la tonalité? Quoi? Eh ben voilà, on m'a coupé la ligne. Comment ça, on t'a coupé la ligne? Ben oui, depuis que Justine est aux États-Unis, les notes sont de plus en plus salées, alors... Ah, je comprends. Ben oui. Mes parents râlaient de plus en plus à chaque facture. Ben voilà, ils ont fini de râler. Ils ont fait couper la ligne. Mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour téléphoner à Déby? Ben je sais pas, imaginatif comme tu es, tu vas sûrement trouver une solution. C'est vraiment pas de chance, hein. Pour la seule fois de ma vie où je te demande un petit service téléphonique. Ouais, enfin... au milieu de tous les autres services. Mais comment je vais faire? Comment je vais bien pouvoir faire? Mais pourquoi tu lui écris pas? Lui écrire? Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Tu comprends, je n'arrive pas à faire passer l'émotion par la plume. Et puis par écrit, en plus, y a pas le son de la voix. Puis remarque, t'es pas tellement plus doué que moi, toi. Tu lui as pas écrit depuis bien longtemps, hein, Justine? Bah oui, mais maintenant je préfère le téléphone, alors... Ah ouais, bah, le téléphone... Hé hey! Comment tu vas faire pour téléphoner à Justine? Attention, c'est la dernière boule. Bon, hey, les filles, soyez gentilles. Laissez-moi jouer. Le bonus, pour le bonus. Oui, oui, c'est pas la place. Arrêtez, les filles, vous allez faire perdre la boule. On adore faire perdre la boule aux garçons. Surtout quand ils sont beaux, comme toi. Salut, Jérôme. Bon, vite, dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Salut. Salut, salut les filles. Non, excuse-moi, pas aujourd'hui. Bah, Jérôme! Qu'est-ce qui lui arrive? À peine bonjour! Eh, pas de flip! Quel lâcheur! Bon, ne bougez pas, les filles. Je reviens. Bah, alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, rien, pourquoi? Bah, comment, pourquoi et le flip? J'ai pas envie de jouer, c'est tout. Non, bah, écoute, mon vieux, tu vas pas me laisser tomber parce que ça fait une demi-heure que je les ai sur le dos. Et là, je commence à craquer. Bon, ok, je viens jouer si tu claques une partie gratuite. Ah bah d'accord. Bon bah, comme tu veux, mais enfin, pour la concentration et la partie gratuite, ça va pas être facile. Hein. Ok, bon bah, sans problème. Alors? Alors? Eh bah alors, il m'a mis au défi de gagner une partie gratuite pour venir jouer. Alors les filles, maintenant, s'il vous plaît, c'est pas trop vous demander. Silence! Merci. Attention, mesdames et messieurs, silence! La balle est lancée. Merci, j'ai demandé le silence. Pardon, Luc, pardon. Je peux m'asseoir? Ouais, si tu veux. Ça va, toi? Ouais, ça va. Ouais. Je sais pas, t'as l'air contrarié. Non, non, ça va. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Pas de flipper, pas de glace, pas de jus d'orange. Jérôme, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, ça va. Bon, à toi, je peux le dire. J'ai plus de sous. Voilà, plus d'argent. Ah, c'est tout, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tes parents t'ont piqué ton argent de poche? Non, c'est le téléphone. Le téléphone? Ben oui, le téléphone, j'aime pas écrire, alors je téléphone. À Justine? Eh oui.
Tu lui téléphones souvent? Eh oui. Tu es toujours très amoureux d'elle? Eh oui, je peux pas m'en passer. Puis forcément, bah, la Californie, ça assomme sur les factures. Bon, je sais, je devrais être raisonnable, je devrais lui écrire. Seulement, à chaque fois que je commence à écrire, j'écris des bêtises, alors bah, je préfère téléphoner, voilà. Ça fait longtemps que t'as des problèmes? Non, au début ça allait, et quand mes parents ont vu la première facture de téléphone, bah ils ont râlé, alors j'ai été téléphoné d'une cabine. Et puis tout mon argent de poche y est passé, alors forcément, au bout d'un moment, je suis revenu téléphoner chez moi, et quand ils ont vu arriver la deuxième note, et ben, ils m'ont fait couper la ligne. Mon pauvre Jérôme. Bon, moi, en fait, de ne plus avoir le téléphone dans ma chambre, ça me dérange pas, mais ce qui m'embête, c'est que je peux même plus téléphoner d'une cabine, quoi. Tu sais, on écrit de très belles choses dans des lettres, puis on peut les relire, ça fait du bien. Je sais, mais les lettres, ça me donne pas le rire de Justine. Tiens, avec ça, tu pourras parler 4 minutes. Enfin, des billes. Allez, ne dis rien et file la plaie. C'était super. Bon, François, tu es gentil, mais là, je suis en train de jouer. Il faut que je te dise un truc super important. Oui, mais moi, je m'en fiche. Je me suis débarrassé des jumelles en les collant sur notre flip, c'est pas pour que toi, tu viennes me déconcentrer. Quoi, attends, je te déconcentre? Mais tu rigoles. Je te confie une des parties les plus intimes de mes pensées. C'est une preuve d'amitié à laquelle tu devrais être sensible. Oui, je te remercie, François, c'est très gentil. Seulement, c'est pas le moment, je suis à 3000 points de la partie gratuite. Ouais, vraiment ravi pour toi. Et moi pour Jérôme, mais il m'a dit qu'il jouerait à condition que j'ai une partie gratuite. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, moi je sais. Mais je ne voudrais pas te déconcentrer. Ah, là, peut-être. Là, là, hop, et voilà. Ah, j'ai claqué. C'est pas une raison pour perdre ta boule. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Jérôme? On lui a coupé sa ligne téléphonique parce qu'il appelait trop souvent Justine. Non, on lui a coupé le téléphone? Salut les garçons. Salut Isabelle. C'est tout ce que vous racontez? À qui on a coupé le téléphone? Personne. Hein? Personne du tout. Tu me prends pour une débile? Je viens de t'entendre dire on lui a coupé le téléphone. C'est qui? C'est Jérôme? Bon d'accord, c'est Jérôme. Et pourquoi? Écoute Isabelle... Bon, te fatigue pas Luc, je sais pourquoi. Téléphoner 2 fois par jour en Californie, c'est pas dans les moyens de tout le monde. Tout le monde n'a pas un père milliardaire. Et il n'est pas là le pauvre chéri? Qu'est-ce que t'as à lui raconter tout ça toi? Faut pas te taire. Mais écoute Luc, moi j'ai rien dit. Bon, la revoilà. Cette fois tu tiens ta langue, d'accord? Eh, vous connaissez la meilleure? Ah non? Debbie vient de prêter sa télécarte pour que Jérôme téléphone à Justine. C'est vraiment navrant de voir un garçon gâcher sa vie comme ça. Écoute, Isa... Tiens, alors voilà. Il devait pas rester grand-chose sur la carte de Debbie. Eh, vous avez vu? Il s'est remercié, Jérôme. Regarde là. On peut pas. Elle m'énerve trop. Arrêtez de la regarder si elle vous énerve tant que ça. Allez, venez, on va à la gaffette. Tout à l'heure, on peut faire rester. Pour la regarder. Je vois pas l'intérêt. C'est pour voir jusqu'où elle va aller dans son cinéma. Et je peux dire que ça nous amuse pas. Ça, c'est vrai, hein. Les prétentieuses, on en connaît. Mais alors, des prétentieuses, aussi prétentieuses. Ça, même en Australie, on n'en a jamais vu. D'ailleurs, je peux appeler toute la planète avec ça. Je suis le 35, je tombe chez ma sœur, enfin c'est génial. Faites comme vous voulez, mais moi je m'en vais. En restant comme ça, on a l'air d'être en admiration devant elle. Je te comprends. Il faut être courageuse comme nous pour rester. Regarde, il y a François et Jérôme. Tu crois qu'ils vont tomber dans le piège de cette pimbèche? François, sûrement. Waouh! C'est quoi ça? Ça? C'est le téléphone portable de père. Mais c'est super. Père me l'a donné. Il s'en est acheté un autre plus sophistiqué. Oh, mais celui-là est très suffisant pour le lycée. Attends, tu veux dire que tu vas au lycée avec un téléphone? Bien sûr, c'est très pratique. Comme ça, tout le monde peut me joindre. Et puis regarde, on peut appeler partout avec ça. Ah oui, c'est vrai? Ouais, ouais. Même l'étranger. L'étranger? Ouais, je suis sur le réseau international.
Mais oui, mais c'est ça l'idée. Jérôme, avec ça, tu pourras appeler Justine sans problème à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À condition que je lui prête. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer depuis que j'en ai pris l'habitude. Oh, laisse tomber, François. Mais non, Jérôme, Isabelle va bien nous prêter 5 minutes, ça suffira. Mm-hmm. Pourquoi pas? Ça te plairait, Jérôme? Voilà, c'est quoi le numéro de Justine? 19, 1, 310, 922, 20, 47. 19, 1, 310, 922, 20, 47. Ça sonne. Hello? Allô, Justine? Oui, c'est Isabelle. Oh non, rien de spécial. Je faisais juste un essai de téléphone. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais? On aurait pu. C'est malin. Je suis désolée. Jérôme, tu aurais certainement voulu lui parler. Évidemment qu'il aurait voulu lui parler. Ton jouet aurait pu servir à quelque chose. Enfin, à quelque chose d'autre qu'à te faire remarquer. Jérôme, je suis vraiment navrée. Mais si tu veux, je peux la rappeler. Et j'espère que j'aurai droit à un gentil remerciement comme celui que tu as fait à Debbie. T'es gentille, Isa, mais quand je téléphone à Justine, je choisis mon téléphone. C'est vrai qu'il est moche, ton téléphone. Et je suis sûre qu'on entend mal. Bon, d'accord, il est pas terrible. Mais moi, tu vois, il me dégoûte pas du tout au point de ne pas l'utiliser. D'ailleurs, si tu veux, je suis prêt à m'en servir. J'ai promis à Kim Basinger de lui passer un petit coup de téléphone. Oui? Oui. Aïe! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais aller chercher des glaces. Qui veut quoi? Moi, je veux chocolat, chantilly, banane. Moi, je veux chantilly, banane, chocolat. Et toi, Debbie? Moi, rien. Même pas un jus d'orange? Non, rien. T'es malade? Non, mais manger des glaces sans arrêt, c'est pas la peine. Ça, c'est sûr. Mais c'est tellement bon. Oui, mais il y a peut-être mieux à faire avec notre argent. Je vois vraiment pas quoi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ben, le donner à Jérôme. Le pauvre. La voix de Justine lui manque tellement. Si je comprends bien, tu veux transformer notre glace chantilly banane chocolat en facture PTT? Non, pas vous. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je préfère. Ça fait combien de minutes, une glace chantilly chocolat banane? Je sais pas, une ou deux minutes. Une ou deux minutes, c'est tout? Ça prend pas beaucoup plus de temps à être mangé, tu sais. Bon, c'est décidé. Je vais prendre une glace pour nous deux. Ça fera 2 minutes sauvées. T'as raison, Suzy. Mais t'inquiète pas pour le chantilly. Tu ferais une petite sourire au garçon. Il me l'offrira. Ah bah tiens, ça tombe bien, il est libre. Ouais, mais joue sans moi, moi j'ai pas envie. Non, mais attends, je t'offre la première partie, tu m'offriras la suivante. Non, j'ai arrêté. Si je touche plus à ça, dans quelques jours, je peux appeler Justine. Bon. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est que tu m'offriras ta partie gratuite. Il faut bien que ça te serve à quelque chose d'être meilleur que moi, Flipper. Ah, enfin, enfin tu le reconnais. Yeah. Tiens, allez, vas-y. Tu me mets un tableau. Voilà, il est là, le voleur. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Après qu'il en a? Mais écoute, d'après son angle de tir, on dirait que c'est après nous. Regardez-le avec son air innocent. C'est juste un sale voleur. Non, mais attends, Isabelle, de qui tu parles? De qui je parle? Mais de lui? De Jérôme le voleur? Moi? Moi, un voleur? Non, mais Isabelle, tu débloques, là. Qu'est-ce que t'as fait de mon téléphone? Non, mais attends, mais quel téléphone? Le téléphone portable que père m'a donné. Il le regarde depuis ce matin, il me l'a volé. Ton espèce de talkie-walkie pourri. C'est de ça dont tu parles? Un talkie-walkie pourri? Un téléphone de plus de 10 000 francs qui permet d'appeler le monde entier et qui permet à ce fauché d'appeler la Californie? Voilà pourquoi il me l'a volé. Bon, Isabelle, j'ai pas touché à ton téléphone. Oh, bien sûr. Menteuse! Tu dis n'importe quoi pour faire du mal. Et toi, n'importe quoi pour le défendre. Bon, écoute, Isabelle, on t'a volé ton téléphone, ok, mais n'accuse pas comme ça sans savoir Jérôme. Pourquoi? Je suis sûre que c'est lui. Il ferait n'importe quoi pour sa gourde de Justine. Bon, Isabelle, je t'ai dit que j'avais pas touché ton téléphone. Ok, alors prouve-le. Comment veux-tu que je te le prouve? Vide ton sac sur le flipper devant tout le monde. Isabelle, ça suffit, tu n'es pas drôle. Mais je n'essaie pas d'être drôle. J'essaie de récupérer le téléphone que Jérôme a volé. D'ailleurs, on va le savoir tout de suite. Jérôme, mais... Bah, je t'interdis de toucher à mes affaires. Puisque tu n'as rien à te reprocher. On va bien voir.
c'est que ça? Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Mais Isabelle, ça va pas, non? Mais t'es complètement folle. C'est peut-être pas dans son sac. Isabelle, allez, c'est toi la menteuse. Bon, je vais quand même pas me laisser traiter de voleur par n'importe qui. Regardez tous ce que c'est qu'un voleur. Mais c'est carré, non? Pas de riz, je suis sûre. Tu n'as pas le droit. Rien de s'énerver. Oh bah excuse-moi, mais se faire traiter de voleur devant tout le monde. Assieds-toi, je vais te chercher à boire. J'ai pas soif. Écoute, Jérôme, il faut que tu te calmes et ensuite il faut qu'on parle. Mais qu'on parle de quoi? Ben, de ce que tu as fait. J'ai rien fait. Ok, ok. Mais tu sais, Jérôme, tu peux tout me dire. Mais je t'ai déjà tout dit, puis Isabelle a raconté n'importe quoi. Et le téléphone dans ton sac? Je sais pas, elle a dû le mettre elle-même. Jérôme, tu es vengé. Tu verrais la tête d'Isabelle. Je vois la vôtre et... Jérôme, ça va? Ouais, enfin, si on veut. Ouais, vous pourriez pas faire un peu moins de bruit? Moi, je sais que je nage pas dans le génie, mais enfin, tout de même, ça nécessite un peu de tranquillité. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? On a vengé l'honneur de Nami. Bonjour, c'est Gérard. Bonjour, Jérôme. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe encore? Rien, rien, excusez-nous. Mais non, il faut que Monsieur Gérard soit au courant. Vous ne savez pas la dernière? Si. Isabelle vient d'accuser Jérôme de vol. De vol? Oui, alors que lui, il lui a juste emprunté son téléphone. C'est pas si grave. Pour appeler Justine, elle lui manque tellement, le pauvre. Alors écoutez, je n'ai rien emprunté et je n'ai rien volé. Jérôme, arrête quand on vole par amour, tu sais. Mais on a des circonstances atténuantes. Oui, ça c'est une autre, oui. Enfin... un vol, c'est quand même un vol. Hein. Enfin, puisque je vous dis que j'ai rien volé. Jérôme, arrête. Avec nous, tu peux tout dire. Oui, on a cassé la figure à Isabelle, mais bon, on a bien vu le téléphone dans ton sac. Bon, je vous dis que... ouais, enfin bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Jérôme, attends. Debbie, attends. Bon. Eh ben, c'est un nouveau calme ici, maintenant. J'ai dit que je voulais voir personne. Mais écoutez les filles, ça suffit maintenant. Je vais les tuer. Salut. Ah, c'est toi? Je croyais que c'était... la gourde et les photocopies? Non, je les ai croisées en bas. Je peux entrer? J'ai rien à te dire. Moi, je crois au contraire que tu as beaucoup de choses à me dire. Bon, alors, je t'écoute. Alors voilà, j'ai bien réfléchi et... ma première réaction, bien sûr, bah... c'est de porter plainte. Attends, de porter plainte? Mais porter plainte pour quoi? Mais pour vol, bien sûr. Tu sais très bien que je t'ai rien volé, Isabelle. Oui, alors comment tu expliques que mon téléphone était dans ton sac? Il y avait des témoins, tu sais. Ça, je sais pas, je pense que t'as pu le mettre, toi. Mon pauvre Jérôme, tu regardes trop la télé. Bon, revenons à notre sujet. Donc, bien sûr, ma première réaction serait de porter plainte. Mais je pourrais aussi ne rien dire. Ne pas porter plainte. Après tout, tu es mon ami. Ah. Oui. D'ailleurs, je suis sûre que si tu étais très gentil avec moi, je n'aurais plus du tout envie de porter plainte. Tu veux dire que... oui. Dans tes bras, je pourrais tout oublier. Ah bon, est-ce que tu crois? J'en suis sûre. Mm-hmm. On pourrait même téléphoner à Justine, si tu veux. Mm-hmm. Bon, allez, ça suffit, Isabelle. Ah bon, très bien. Tu prends comme ça. Parfait. Je porte plainte. Fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je me laisserai pas accuser par une vieille fille aigrie. C'est de moi dont tu parles, là? Alors, vol, insulte, diffamation. Ton cas s'aggrave, Jérôme. J'appelle mon avocat. Alors, vas-y, il marche pas. Aucune importance, j'ai le mien. Là, mon téléphone, le téléphone de père. Enfin, Isa, tu sais très bien qu'on te l'a volé. Enfin, que je te l'ai volé. Je suis pas entrée, mais on me l'a volé. Mais oui, c'est ce que je te dis, je te l'ai volé. Mais tu comprends rien, Jérôme, cette fois on me l'a vraiment volé. Qu'est-ce qu'ils font? C'est long. C'est énervant de ne pas pouvoir téléphoner à Jérôme. Ils vont arriver, le temps que François aille chez Jérôme en vélo. Qu'il monte 6 étages, qu'il bavasse avec Jérôme pendant 10 minutes pour le décider à venir. Moi, franchement, j'aurais fait beaucoup plus vite que François, même sans vélo. Mais ça lui faisait tellement plaisir d'y aller. Mais Debbie, mais moi aussi, ça me fait très plaisir de te rendre service. Tu es gentil. Ah, j'entends la moto. Les voilà.
Eh ben, il suit derrière en vélo. Comme il a perdu son antivol, il avait le choix entre remonter au 6e avec ou venir ici. Maman, il y a tellement de voleurs de nos jours. Chut, on dit pas ça pour toi, Jérôme. Ça vous dérange pas que je le rentre. J'ai tellement peur qu'on me le vole. Tu vois, Déby, j'ai fini par te le ramener, ton petit Jérôme. Oui, merci, François. Alors, si je vous dis que je n'ai pas compris un mot de ce que m'a dit François, ça vous étonne? Non. Non. Évidemment, tu m'as même pas laissé le temps de parler. Enfin, je veux dire que... Tais-toi, François. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un moyen de téléphoner gratuitement. Partout. Et même en Californie. Oui, bah, vous êtes bien gentil, mais moi, les histoires de téléphone en ce moment... Comme tu voudras. Je vais appeler mes parents en Australie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Un téléphone portable. Mais... C'est juste un emprunt. La fille qui l'avait, non, on s'en servait pas de toute façon. Et puis comme ça, elle n'aura plus besoin de mentir. On lui aura vraiment volé. Vous savez que Isabelle mentait vraiment? Ben, on sait que t'es pas un voleur. Donc c'était forcément un coup d'Isabelle. Hmm? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors t'es sûre que tu ne veux pas appeler Justine? C'est gratuit. C'est peur qui paye. Moi, en toute franchise, j'appellerais bien Kim Basinger. Enfin, juste histoire de pouvoir dire que j'appelle loin, Déby. Vous n'allez quand même pas le garder, ce téléphone. Bah si, pourquoi? Un téléphone gratuit, c'est pratique. Mais non, on va l'y rendre. Mais avant, profite-en. Après tout. Oh, et puis non. Oh, tu as tort, Jérôme. Quand on peut téléphoner à l'œil, on en profite. Tu as raison. Mais qu'est-ce que tu fais, François? J'appelle... Kim Basinger. Oh non! Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne connais pas le numéro de téléphone de Kim Basinger.